J'arrive. Viens là. Ça y est, c'est bon, tu es libre. Toi, viens, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Allez, viens. Personne ne sort d'ici. Tu ne sortiras pas d'ici vivante. Tu vas la fermer? Non, ne fais pas mal, s'il vous plaît. Toi, ferme-la. Vous voulez quoi? Frappe-le, Paulina. Frappe-le. Vas-y, cours, Paulina. Allez, je vais te déclamer. Tu n'aurais pas dû arriver, petite. Hein? Laissez partir ma copine. Je suis là pour toi, gamine. Mais ton ami fait désormais partie du paquet. Je vais devoir vous tuer toutes les deux. Fichez-nous la paix, s'il vous plaît. Fichez-nous la paix. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir fait ce que je suis venu faire. Je n'arrive pas à croire que Michaela ait témoigné ainsi. Il a tué sa femme. C'est un assassin. Je ne le crois pas, papa. J'avais l'espoir qu'avec ça, j'aurais mis fin à tes doutes et que tu te serais rendu compte du genre de type qu'est Diego de Montenegro. Bon, tu sais quoi? Grâce à lui, je suis vivant, papa. Il m'a sauvé la vie à l'intérieur. Et pour ça, il est en train de mourir. Ne te laisse pas abuser par Luis Santiago. Il va te demander quelque chose. En échange de la faveur qu'il t'a faite, c'est un manipulateur. Souviens-toi que c'est à cause de lui qu'on est ruiné, non? Tu lui as volé Exportamex, papa. Il a repris ce qui lui appartenait. Tu vois? C'est de ça dont je te parle. Tu le crois, lui? Pourquoi tu es si naïf, non, Santiago? Je ne suis pas naïf, papa. J'ai vu toutes les preuves. J'ai vu les documents, tout ce qui prouve ces faits. Si je ne lui avais pas pris Exportamex, en ce moment, elle n'existerait plus. J'ai sauvé cette entreprise. Et avec elle, j'ai sauvé des emplois, des familles qui se seraient retrouvées à la rue. Ça a été des mesures désespérées, oui. Mais pour ne pas renvoyer les gens, les mettre à la rue, j'ai fait ce que je devais faire. Mais je l'ai fait pour le bien de l'entreprise et de tous ses employés. Si c'est un délit, qu'on m'arrête tout de suite. Je vais te dire une chose, Santiago. Tu ne sais pas comme ça me fait mal. Qu'à tes yeux, je ne sois qu'un sale escroc. Et que tu préfères croire un pauvre assassin. Ta solution ne me paraît pas adéquate, ma très chère Dulcinée. Nous devrions la remettre à la police. Comment ça, la police? Comment la police? Et quoi? On la donne et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Laissons la justice de notre pays suivre son cours. Je te jure, des fois, je me dis que cette tête que t'as est remplie de toiles d'araignée. Oh! Je te supplie de ne pas m'insulter de cette si brusque manière, ma déesse enchanteresse. Parce que cela blesse profondément mes délicats sentiments. Dans ce cas, réfléchis un peu plus, Pépino. Cette vidéo vaut une véritable fortune, une montagne d'or. Je suis certaine que Monsieur Diego paierait un paquet pour elle. Et si ça se trouve, Horacio voudra peut-être même payer plus. Mais puisque nous ne possédons qu'une toute petite partie de la bande... Je sais, mais ça seul, toi et moi le savons, pauvre nouille. Moi, j'adore tes penchants criminels. Ma radieuse Dulcinée, chaque fois que tu fais part d'une de tes espiègleries, je te désire tellement, comme le désert a besoin de ses points d'eau. Non, tu vas pas me toucher, vieux cochon. Les affaires passent en premier. Écoute, si tu m'aides là-dessus, nous partagerons toutes les recettes. Et maintenant, nous allons vivre des vies. Oh, mon adorable pépinota. Mais en attendant, il faut être raisonnable. On se voit très vite, mon garçon. Maintenant, tu le sais, je fais jouer toutes mes relations pour te faire sortir d'ici. Et comme j'ai récupéré mon nom, je vais récupérer Exportamex. Et la vie que nous avions avant, ça je te le jure. Diego Montenegro,
ne va pas pouvoir me mettre à terre. Papa. Oui. Si Diego est arrivé à nous manipuler, il est probable qu'il ait aussi manipulé Daniela. Je ne sais pas quoi penser de cette jeune fille. Je ne sais pas si elle est naïve au point de croire Diego, ou alors perverse au point de jouer le jeu à fond. Mais je préférais qu'on ne parle pas d'elle. Tu imagines pas comme ça me fait mal que, par sa faute, on puisse se retrouver sans toi. Cette maison n'a jamais été à toi, mais à Diego Montenegro. Et il a donné à sa fille. Tu ne changes pas, n'est-ce pas, Santiago? Je vous présente mes excuses, je dois vous faire perdre votre temps. Ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le document que je vous ai apporté ne sert à rien. Désolé, ce sont les conditions de la banque. Votre sœur doit être présente physiquement pour signer les documents, et alors seulement nous pourrons aller de l'avant. Je comprends. Mais ne vous en faites pas, nous l'attendrons le temps nécessaire. Enfin, nous n'allons quand même pas l'attendre toute notre vie. Figurez-vous que ma sœur est une famille irresponsable. Elle a été trop gâtée. Et je ne sais pas, elle a trouvé autre chose à faire. Prenez en compte les papiers que je vous ai donnés. Ils peuvent nous servir beaucoup et nous pouvons avancer. Peut-être qu'elle ne viendra pas. Nous l'attendons. Oui. Vous allez mourir toutes les deux aujourd'hui. C'est bien. Oh, c'est Rodriguez qui t'a envoyé. Je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas de qui vous parlez. Alors, pourquoi vous voulez nous tuer? Qu'est-ce qu'on vous a fait, hein? Vaut mieux vous partir parce que vous allez vous faire lâcher, hein? Vous vivez dans un pays de 20 millions d'habitants? Et il n'y a personne? Non, 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 vous emmêlez pas, vous emmêlez pas, allez-vous-en, allez-vous-en! Tu les touches pas, tu les touches pas, allez, dégage! Allez, dégage! Vous souffriez, vous risquez votre vie, allez-vous-en, partez d'ici, pas qu'on va-t'en! Va-t'en! Si tu touches à un cheveu des enfants, tu vas le regretter! Hola, hola, qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne vient faire sa loi sur notre territoire! Personne ne fait de mal à notre famille! Tu sais ce qui arrive à ceux qui viennent mettre le boxon ici? On les brûle vivants! Tu sais combien de personnes ont disparu? Hein, tu veux le savoir? Tu t'en sortiras pas vivant. T'es moins sûr de toi, hein? Eh, si tu ne veux pas être le suivant, casse-toi tout de suite, frangin. On se calme, on se calme. Il vaut mieux appeler la police. Ça ne sert à rien de prendre un perpète à cause d'un type comme ça. Ok, c'est d'accord, Daniela. Tu t'en sors plutôt bien. Ferdinand, appelle vite la police. Vas-y. Non, et s'il m'arrête? Dépêche-toi. Oui, vas-y. Ah, ça va, j'y vais. T'as du bol, frangin. Passer la journée, Angèle? Au parc? Si tu veux, on peut aller voir tous les pigeons. Le seul endroit dans lequel ce gamin devrait être, c'est une garderie. C'est là qu'il devrait être. Et il nous fait perdre notre temps et nous avons tous des choses à faire, ma chérie. Je n'ai pas le temps de m'occuper de cet enfant et toi non plus. Et toi, maman, qu'est-ce que tu as à faire? Aller au spa du club? Ça ne m'en parle même pas. Ne m'en parle pas parce qu'on m'a retiré la carte de membre pour non-paiement. Non, je te dis que nous n'allons pas bien, chérie. Et en plus, maintenant, nous devons nous occuper de cet enfant. Maman, c'est ton petit-fils. Je sais, oui, je ne vais pas non plus le laisser mourir de faim en le laissant dans la rue. Mais on pourrait au moins le mettre dans une garderie pour que nous puissions continuer nos activités. Tu es si prévisible, maman. Attends, qu'est-ce qu'il y a de mal à l'envoyer dans une garderie? Je ne demande pas de le mettre à la rue, quand même. Bonjour, Daniela. Comment ça va? Salut, Karina. Dis-moi, est-ce que tu es occupée? Non, pas du tout. J'allais aller me promener avec Angèle. Pourquoi? Tu pourrais passer à mon appartement. J'ai besoin de te parler. Oui, oui, bien sûr. Je n'ai pas de quoi noter en ce moment, mais je te rappelle plus tard et tu me donneras l'adresse de chez toi, d'accord? C'est d'accord. Cesse de faire cette tête, maman. Daniela est et va rester une très bonne amie. Ah, si vous êtes si bonnes amies, dans ce cas, tu devrais lui dire de ne pas nous laisser sans maison.
qu'elle fasse fonctionner son cœur au moins une fois dans sa vie et qu'elle ne nous laisse pas sans toi. Vas-y, dis-moi, ce que va devenir Angèle si on lui enlève sa maison? Dis-moi ce que va devenir ce pauvre enfant. Ah, maintenant tu t'intéresses à ton petit-fils alors? Écoute, Daniela est la propriétaire de cette maison et elle a tous les droits de la reprendre si elle veut. Et pourquoi elle aurait besoin de cette maison? Dis-moi juste pourquoi elle aurait besoin d'un truc si grand. Nous, nous sommes habitués à cette taille, mais elle, quoi? Elle est habituée à vivre dans une petite maison en tôle dans un quartier pourri. C'est nous qui en avons besoin et pas elle. Écoute, maman, je ne lui dirai rien du tout et je ne compte pas la faire chanter ni avec la maison, ni avec Angèle, ni rien de ce genre. Ok? Si nous devions devenir pauvres, eh bien, soit, nous méritions peut-être ce qui nous arrive. Écoute, Karina, cesse de dire ça. On ne dit pas ça, même pour plaisanter. Alors tais-toi. Où est-ce que tu crois que tu vas? Où penses-tu aller alors que je suis en train de te parler? Je m'en vais parce qu'ici, ça manque d'air. Ah. Ah. Ah, quelle histoire! Ah oui. Qu'est-ce qu'il te voulait, hein? Aïe. Je veux dire, bon, tant d'acharnement, ce n'est pas normal. Qui est-ce qui l'a payé pour qu'il te suive? Non, c'est pas uniquement pour me suivre, ça non, je pourrais le semer facilement, hein. Daniela, son but, c'était de me tuer. Mais pourquoi? Je sais pas. Attends, mais quelle heure il est? Non, parce que Sandra, elle doit m'attendre à la banque pour que je signe les papiers, là. Désolée, je ne vais pas pouvoir t'accompagner parce qu'il est tard. Il faut que j'aille voir mes enfants et puis Karina va arriver. Oui, pas de problème, Daniela. Je te le dirai plus tard. Souviens-toi de ce que t'as dit, Augustin. Tu ne signes rien sans son approbation, Paulina. Oui, c'est ta sœur, mais on ne peut pas faire confiance à cette fille. Non, non. Merci, Daniela. De rien. Au fait, fais attention. Est-ce que ta jambe va mieux? Ça ira. Fais attention. D'accord. Juste au cas où. D'accord. La porte. Allez, rentre. Allez, rentre, allez. À l'intérieur. Bon, je suis là, hein, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air toute retournée, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va. Allez, pourquoi tu es en retard? Oh, parce que le type de l'autre jour, il a encore essayé de me tuer. Quoi? Moi, je te dis, Sandra, que nous devrions aller au commissariat, parce que c'est pas la première fois. Et puis, tu m'as dit que toi aussi, t'étais poursuivie par ce bonhomme. Tu sais, je crois que tu as tout à fait raison. Moi aussi, ça me fait extrêmement peur parce qu'il pourrait me faire quelque chose. Il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. La bonne chose, c'est que tu sois saine et sauve. Assieds-toi. Ah, très bien, mais revenons à nos moutons, Sandra. Hein, pourquoi je suis ici? Deux secondes. C'est mon portable. Tu peux me dire ce qui se passe? Les événements ont mal tourné, Sandra. Oui, ça, j'en ai la preuve sous les yeux. J'ai besoin que tu passes me prendre. J'ai la police à mes trousses. Tu sais quoi? Il faut que j'y aille. On verra pour la signature plus tard. On verra plus tard. Mais c'était pas urgent. Bon sang. Je crois vraiment qu'elle est folle. Oh, j'espère que c'est pas de famille, hein. J'espère. Salut. Salut. Vas-y, entre. Merci. Comme il est mignon. Waouh, c'est beau chez toi. Merci beaucoup. Franchement, je suis très heureuse ici. Oui, évidemment. Non, ton petit neveu est vraiment adorable. Regarde Angèle, elle, c'est Daniela. Je comprends qu'on l'ait appelée Angèle. Il a tout à fait la tête. Ah, n'est-ce pas? Entre, assieds-toi. Merci. Pardonne-moi de t'avoir fait venir. Non, non, pas du tout, ne t'inquiète pas. Je ferai n'importe quoi pour sortir de chez moi. C'est que... voilà, je voudrais savoir ce que tes parents font pour sortir Santiago de la prison. Parce que, voilà, je sais qu'il n'a pas d'avocat, enfin, tu vois. Non, non, la vérité, c'est qu'ils ne font pas grand-chose. Ah, ils disent que nous sommes ruinés et que nous ne pouvons pas payer un avocat pour le moment. Quoi? Il doit y avoir autre chose, Augustin. Non, juste un fermier qui dit avoir vu une voiture de couleur noire. Est-ce qu'au moins il a vu la plaque? Non, il sait à peine lire, tu vois, les gens du quartier.
Non, avec cette information, nous ne pouvons rien faire. Il faut trouver d'autres pistes. Entre, oui, entre, je t'en prie. Alors, tu veux quoi, hein? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, là. Eh ben, quand vous saurez ce que j'ai à vous dire, vous allez voir que vous allez trouver du temps. Oui, on va voir si c'est vrai, j'écoute. Comme vous voyez, j'ai une vidéo qui peut beaucoup vous intéresser, monsieur. Elle m'a été donnée par Michaela il y a plus de 20 ans. Le même jour où a été tuée Madame Daniela. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? Que je ne vois pas de quoi tu es en train de parler. Que tu me fais perdre mon temps et que je pense même que je vais te mettre dehors. Croyez-moi, je ne vous fais pas perdre votre temps. Ceci est la cassette que m'a amenée ma cousine Michaela. Le jour où elle est arrivée chez moi avec la petite Daniela. Autrement dit, la fille de Monsieur Diego. Vous devez vous rappeler de ce jour-là. Pourquoi je devrais m'en rappeler, dis-moi? Comment pourrais-je savoir ce qu'elle a fait de la fille de Diego? J'en sais rien. Dans ce cas, je vais vous rafraîchir la mémoire. Bien. Ce jour-là, c'est le jour, le fameux jour où on a assassiné la mère de Daniela. Michaela est arrivée tellement sonnée, la pauvre. Et elle m'a demandé de garder cette vidéo parce qu'elle était importante. Hein? Et vous savez quoi? Elle nous a fait son attaque et depuis, elle est restée complètement paralysée. La... Cesse de dire des âneries, oui. Moi, je me fiche de tes histoires. Vous ne devriez pas, monsieur Horatio. Vous ne devriez pas vous en moquer. Parce que ce que l'on voit ici, ici, c'est vous. Dans une situation plutôt assez dérangeante, hein? C'est vrai, comme on dit souvent, très compromettante. Moi, vos histoires de famille avec Monsieur Diego et avec Daniela, je m'en moque. Parce que ces deux sales ordures, ces ordures m'ont traité pire qu'un chien, alors même que j'ai sauvé la vie de cette gamine. Eh bien, dans ce cas-là, merci beaucoup pour le geste, alors. Hein. Donne-la-moi. Attendez, vous dites que cette Odilia est gentille, non? Oh, monsieur. Alors, oui, je suis une gentille personne, mais vous comprendrez qu'il faut que je mange, non? Et gentille ne veut pas dire stupide. Non. C'est d'accord, j'ai compris. Tu veux combien? À votre avis, combien vaut une preuve pareille? Hein? Il faut pas que ce soit une trop petite somme, je veux dire que ce soit conséquent, non? Premièrement, j'aimerais voir ce que je vais acheter, ça te va? Allez, accompagne-moi. Moi, je connais pas votre maison. Très bien, je comprends. Passe par ici. J'ai demandé à Luciano de défendre Santiago, mais ton frère n'a pas voulu. Quoi? Je sais, c'est pourquoi je pensais que ton père allait lui trouver un avocat. Je me sens mal, Karina. Si ton père n'a pas d'argent, c'est à cause de moi. Ah, non, non, Daniela, ne dis pas ça. Non, non, ne ressens pas ça, ce n'est pas ta faute. Toi, Santiago, vous êtes les victimes des erreurs qu'ont commis nos parents il y a de longues années. Oui, je sais. Comment on aurait pu savoir de qui on était les enfants, pas vrai? Ah, Karina, en fait, c'est que je n'arrête pas de me sentir mal à l'idée que je puisse être impliquée dans cette vengeance contre tes parents. Puisque j'aimais Santiago, je n'aurais jamais dû écouter mon père, non? Mais je me suis laissée convaincre par la colère, par la douleur. Et encore plus, quand Sandra m'a dit que ton père était... Bon, non, je ne veux pas parler de ça. Oui, je te comprends. Tu dois te sentir mal en sachant... Eh bien, que tout ça a été inventé par ton père. Ce n'est pas une invention. Je veux te parler de quand ta marraine a témoigné contre lui. Oui, elle l'a fait. Oublie ça. Oui, oublie-le. Non. Non, 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 ce n'est pas important. Oh, comme tu es mignon, toi. Est-ce que tu veux connaître tes frères? Oui. On va les voir, ils jouent avec Marcela et Michaela. Ok. À moins qu'ils ne dorment. Allons voir. J'espère qu'ils sont réveillés parce que... Pour qu'ils puissent le rencontrer. Puissent les rencontrer. Mais je crois qu'ensuite, ils devront dormir. Alors. Tu veux le prendre? Donne-le-moi. Attention. Regarde, il est tranquille avec toi. Là.
Ah, vous en dites quoi? Bon alors? Attends, est-ce que c'est tout? Parce que ça ne m'incrimine pas, hein. Tu peux repartir comme tu es venu et garder ton venin pour quelqu'un d'autre, hein. Ah, monsieur Horatio, comme vous êtes bien naïf, c'est vrai. Vous pensez bien que je me protège. Ce que vous avez vu, ce n'est qu'une toute petite partie. Parce que la partie la plus intéressante du film, eh bien, je l'ai mise à l'abri des regards dans ma maison. Qui d'autre sait pour cette vidéo, hein? Non, ne me posez pas de questions, idiote. Celle-là, je te jure. Écoutez, je vais laisser ici ce petit morceau de la vidéo. Oui, c'est gratuit. Et si vous voulez la partie intéressante, vous allez devoir aligner la monnaie, la somme qu'on a dit. Je sais que tu essayes de m'embobiner, hein. Vous n'êtes pas sûr, non? Horatio! Horatio! Réponds-moi, s'il te plaît! C'est d'accord. Donne-moi du temps et je vais trouver de l'argent. Est-ce que ça te va? Ici, il doit bien y avoir un peu d'argent caché, non? Écoutez, dans 3 heures, on se voit, on se donne rendez-vous dans mon quartier, non? C'est d'accord. C'est d'accord. Je te donne l'argent contre la cassette, oui? Nous sommes plus que d'accord, comme on dit. Ça sera donnant-donnant. Hmm? Très bien. Je vous laisse. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Espèce de pauvre vieux clochard. Tu as signé ton arrêt de mort. Ils sont aussi mignons que toi, c'est dommage qu'ils dormaient. Mais on trouvera du temps pour vous faire jouer, pour que vous vous connaissiez. Les deux enfants sont tellement mignons. Les trois sont très mignons. Parce qu'ils ressemblent à leur papa. N'est-ce pas qu'ils ressemblent à leur papa? Ils sont tous les trois très beaux. Oui, tous. Et j'ai besoin que tu me promettes de prendre soin d'Angèle. Que tu vas appeler Daniela. J'ai besoin que tu amènes Angèle à Daniela. Elle va en prendre soin, elle va l'aimer comme une mère. Je suis certain qu'elle ne refusera pas. S'il te plaît, Karina, dis-moi que oui. Je te le promets, Santiago, mais je te jure que ce n'est pas nécessaire. Tu vas sortir d'ici très vite. Karina, je suis pas bien. Karina, j'ai très peur. J'ai très peur de rester ici, petite sœur. Bonjour, vous allez bien, madame Micaela? Bonjour, ça va? Comment bien, ça va? Merci. Comme tu vois, ma marraine récupère chaque jour un peu plus rapidement, non? Ne me parle pas comme ça, tu me rends nerveuse. Comprends-moi, la police est à mes trousses, il faut que je quitte ce pays au plus vite. Pourquoi tu ne restes pas ici? Parce que c'est le premier endroit où ils vont venir me chercher. On va venir te trouver et on va te demander quelle est ta relation avec moi. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Bon, je vais leur dire que j'ai vu quand tu as emmené ma sœur dans l'entrepôt. Que moi, du coup, je l'en ai sauvée. Que je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Ah non, Sandra, non! Je veux m'en aller de ce pays. Et je veux surtout que tu viennes avec moi. Mais tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Et je n'ai toujours pas reçu l'argent de mon père. Fais-moi confiance. Je ne sais pas. Donne-moi seulement cette soirée. Demain, nous partons si tu veux. Mais donne-moi seulement cette soirée. Une soirée, rien de plus. Je vais être avec toi. Je vais voir comment vont les enfants. Hein? Oui. Vous allez bien? Oui. Je reviens tout de suite.
Dis à ta tante Karina qu'elle te ramène très vite pour que tu puisses jouer avec tes deux frères, hein? Oui. Et sa maman? Sandra ne l'a pas vue depuis qu'elle a quitté l'hôpital. Elle ne veut pas le voir. Elle est à ce point si insensible. C'est son fils, comment elle peut l'abandonner? On la connaît. Pauvre petit. C'est si dur de grandir sans maman. Ils dorment comme des anges. Maintenant, je vais ramener Madame Michaela dans sa chambre. C'est d'accord? D'accord. Bonne soirée, Madame Michaela. Bon, il se fait tard, je crois que nous aussi nous allons rentrer. Non, ne t'en va pas. Mercedes va rester toute la nuit et elle va nous préparer un très bon dîner. Oui. Oui, je te jure, ta maison est vraiment chouette, hein? N'est-ce pas? Luciano m'a aidée à la trouver et aussi à la décorer. Ça se passe bien avec lui, non? Oui. Il m'a beaucoup épaulée dernièrement. Au fait, pardonne-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais est-ce que tu sors avec lui ou pas? Non, pardon. Pardon. Je n'aurais pas dû te demander ça. Non, ça va. Ça va être la dernière nuit du gosse de riche. Je ne revois plus Oscar. Et... il semble qu'il ne veuille plus me voir. Et donc, qu'il ne m'aime plus. Je suis désolée. J'avais tellement envie de te voir et de te parler de ma situation parce que... j'ai l'impression qu'il t'arrive la même chose avec Santiago. Et... je voulais que tu me dises si c'est possible d'oublier. Non. Je continue d'aimer Santiago de toute mon âme. Et ça malgré tout. Malgré les gens. Tu ne sais pas comme j'ai mal, comme je vois ce qui arrive. Crois-moi que... je donnerais vraiment n'importe quoi pour le voir libre. Quand je pense que c'est Tony qui a donné le coup de grâce. Tony? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne sais pas? Eh bien, Tony a dit que Santiago est celui qui a tiré sur ce type. Non. Non, c'est pas possible. Si, si. Luciano a vu son témoignage. Non, Tony, non. Non, comment? Mais qu'est-ce qu'on va faire? S'il reste là, il va être tué. Je l'ai couvert de coups sur la tête et s'il ne sort pas vite, ils vont finir par le tuer. Oui, je sais. Les personnes riches ont une manière très particulière de convaincre rapidement la justice. Mais nous autres, à l'intérieur, nous avons notre façon d'empêcher ces mêmes riches de pouvoir y parvenir. Pas vrai? Eh ouais. Je veux passer. Je peux quand même pas prendre le risque que ce gosse de riche sorte libre aussi rapidement et évite de subir ma vengeance, non? Alors, dès que possible, tu me l'embarques. Et tu t'en charges, hein? T'as compris? Au fait,
Tu veux que j'aille la surveiller? Non. Non, t'en fais pas. Tu sais ça. Ça m'embête pas. Non. Quoi? Non, t'es complètement accro, non? Je veux dire, tu es complètement accro à Daniela. Franchement, oui. Je ne pensais vraiment pas que je réagirais comme ça. Ah, ça, je te comprends. Ah oui, je sais parfaitement. Deux tequila, deux. Prends-en une autre, c'est pour moi. Cette vieille folle ne voulait rien, je te l'ai déjà dit. S'il te plaît, arrête de m'espionner comme ça. Cette manie que tu as de mettre ton nez dans toutes mes affaires, ça devient insupportable. Je veux juste te rappeler, mon chéri, que toutes tes affaires sont aussi mes affaires à moi. Et en plus, mon grand amour, nous avons un pacte tous les deux. Et d'ailleurs, le temps que je t'ai laissé arrive à sa fin et tu ne m'as toujours pas déposé la moitié de l'argent d'Exportamex, tu te rappelles? Je te rappelle aussi que toi et moi avons fait un pacte, mais d'amour. Non? Bon, j'y vais. Et tu vas où? Tu ne penses quand même pas aller voir Louisa, n'est-ce pas? Comment ça, aller voir Louisa? Je vais faire quelque chose d'important pour sauver cette famille. Une chose comme quoi? Je te dirai plus tard. Tant que tu te comporteras merveilleusement comme tu l'as fait avec moi l'autre nuit. Hein? Bon, j'arrive bientôt. L'homme qui soupire longuement pour toi est ici, mon aimante Dulcinée. Comment ça s'est passé avec Diego? Je suis pas allée le voir. Mon intelligence m'a dit que je me ferais plus d'argent avec le principal intéressé dans l'affaire. Oh non, par tous les dieux! Tu as osé parler avec Horatio? Oui. Et j'ai rendez-vous avec lui. Une seconde! Une seconde, ma douce Dulcinée, mon adorable tourment. Explique-moi, c'est un broglio, oui. C'est pas un imbroglio tripidio. Il va me donner le fric contre la vidéo et nous avons rendez-vous devant le kiosque pour faire l'échange donnant-donnant. Tu vois comme je peux être convaincante, mon cher Pépino. Ma téméraire Amazon. Comment, puisque nous n'avons pas cette vidéo? Comment ça, non? Oui, mais sur cette cassette, il n'y a qu'un petit extrait. Il n'y a rien véritablement de compromettant. Tu n'es vraiment pas futé. C'est pas la cassette de Michaela. C'est une vieille vidéo avec un vieux film dessus qui traînait dans le coin de la maison. Le type n'y verra que du feu, crois-moi. S'il s'en rendait compte, hein? Écoute, tu gâches toujours tout. Ah. Je n'aurais jamais rien dû te dire. Non, moi je ne gâche rien du tout. Ah. Je peux compter sur toi ou pas? Oui, jusqu'à la mort. Alors allons-y et je t'expliquerai le plan B. Oui. Allons-y. Ce qu'un gentleman peut faire pour entrevoir sa Dulcinée hors de son logis douillet. Allez, viens. Pardon. Tu veux quoi, Firmin? Comment ça, ce que je veux? Je veux entrer et voir Yamina, mais on ne me laisse pas. Tu sais, elle est très occupée, elle supervise le spectacle, elle peut pas. Si c'est pas ça, c'est autre chose, le fait qu'on me laisse pas entrer. Qu'est-ce qui se passe, Luna? Il va falloir que quelqu'un se décide à te dire la vérité. Mieux vaut que tu ne vois plus Yamina. Évite-toi de grosses difficultés. Attends, comment ça, des difficultés? Pourquoi? Tu comprends pas. Alors je vais te le dire franchement. Quoi? Le nouveau patron, il a jeté son dévolu sur Yamina. Et elle est bon, elle lui a pas dit oui, mais elle lui a pas dit non non plus. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Un homme averti en vaut deux, hein. Je t'ai prévenu. Est-ce que tu es certaine de ce que tu es en train de faire? Ben oui! Le voilà. Je suis venu.
Vous avez l'argent. Tu as la vidéo? Attends. Regarde. Qu'est-ce qui m'empêche de te tuer? C'est pour ça que j'ai fixé le rendez-vous ici. Vous n'allez quand même pas me tuer devant tous ces gens. En plus, j'ai avec moi mon garde du corps. De la même manière que vous avez un pistolet attaché à votre ceinture. Merci. Est-ce qu'il a pris la vidéo? Oui. Quand il découvrira que c'est un vieux western naze dessus, il va devenir fou. Ah, ma chère demoiselle, cette fois nous avons atteint des sommets dans l'art de la fraude. Toi et tes grandes phrases. J'espère qu'on ne le regrettera pas. Et ça, regarde. Je sais, mais ça reste dangereux, tu sais. Non, tu as raison, ma courageuse partenaire. Le moment est enfin arrivé de festoyer. Viens, je vais t'emmener dîner sous l'immense voûte étoilée. Bonsoir, madame. Maman? Je ne crois pas, mais tu devrais mourir de honte. Comment oses-tu te présenter chez moi, Daniela, après tout le mal que tu nous as fait? Et toi, comment peux-tu en être complice? Sors immédiatement de ma maison. Maman, allez, sors! Maman, ne lui parle pas comme ça. Elle est là pour nous aider. Quoi, nous aider? Cette fille n'a pas cessé de faire du tort à notre famille depuis qu'elle est apparue dans nos vies. Sors d'ici! Karina, s'il te plaît, laisse-nous saluer. Tu veux quoi? Dans quelle histoire tu veux nous embarquer? Qu'est-ce que tu veux? Ceci, ce sont les papiers de la maison. Mon père les a mis à mon nom. Je viens vous les donner pour que vous la vendiez. Avec ça, vous payerez les meilleurs avocats de Mexico pour qu'ils sortent Santiago de prison. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas le faire. La vérité, c'est que je n'aurais jamais imaginé que tu étais amoureux. Je veux dire, avec toutes ces heures passées à étudier, à traiter les affaires de M. Diego et tout ça. Non, tel que tu me vois, je suis redingue amoureux. Oui, je suis vraiment amoureux, mais bon... J'ai abandonné. T'as abandonné? Je suis à ça. À ça de jeter l'éponge. Parce que franchement... Je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment de culpabilité parce que je me bats contre mon meilleur ami. Mon meilleur ami, mon frère, mon ami de prépa, celui de l'université qui en plus t'enferme en prison en ce moment. Daniela pense quoi de la situation? Qu'est-ce qu'elle pourrait en dire? Quoi? Je sais pas, elle pense toujours à Santiago. Elle n'a jamais eu Dieu que pour lui, pour... Santiago. Dites, garçon! Amenez-nous la bouteille, s'il vous plaît. Non, je t'en prie. Allez, tu calmes. On est là et on parle, toi et moi, alors me fais pas ça. On peut parler sans picoler? Non, il faut qu'on boive parce que crois-moi, on va en avoir besoin. Pourquoi? Comme ça, quand je te dirai de qui je te parle, de qui je veux. Pour vous, la bouteille? Oui, c'est pour nous. Vas-y, passe-moi ton verre. Tu ne sais pas de qui je suis amoureux, moi? De qui? De Daniela. Daniela? Je veux dire celle de Santiago, Daniela. Un de plus. Oh non, pas trop. Qu'est-ce qui se passe, Yamina? Personne ne vient te chercher? Eh bien non, je ne vois personne. Je peux te raccompagner si tu veux.
Non, non, ne vous dérangez pas, merci beaucoup, vraiment. Ça ne me dérange pas. Non. Tu trafiques quoi avec ma copine, dis-moi? Germain! Pardon? Ah oui, pardon. Je connais parfaitement bien les types de ton espèce. Toi, ce que tu veux, c'est t'offrir une nuit avec ma copine, non? Mais tu sais quoi? Elle a un mec qui est là pour la défendre, t'as compris? Hein? De quoi il s'agit? Tu veux quoi? Je vous l'ai dit. Que vous vendiez la maison, que vous payiez les meilleurs avocats de Mexico pour qu'ils sortent Santiago de prison. C'est tout? C'est tout? Tu ne veux rien d'autre? Oui. Il n'y a qu'une condition. Quelle condition? Tu veux quoi? Tu veux que je m'humilie? Tu veux que je m'agenouille? Tu veux que je supplie? Qu'est-ce que tu veux? Non, non, non. Que personne ne le sache. Ne dites rien à personne. Encore moins à Santiago. D'accord. Ce que tu veux... Non, 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 personne ne le saura. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais c'est que... C'est que... Tu vois... Merci, Daniela. Merci. Je suis toute retournée, pardonne-moi. Excuse-moi. Ça me fait très plaisir que tu aies finalement compris le mal que ça nous faisait de devoir quitter aussi rapidement cette... Un instant, madame. Je veux que ce soit bien clair. Que je ne fais pas ça pour vous. C'est pour Santiago. Je sais. J'espère que vous accomplirez votre partie. Bien sûr. Bien sûr que oui. Excusez-moi. Merci. C'est lui qui m'a empêché d'entrer l'autre soir. Pour qui il se prend celui-là pour pas me laisser devoir? Non, 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 calme-toi. Attends ici, calme-toi. Il y a un malentendu. Pardon, Yamina, tu dis qu'on t'a empêché d'entrer? Pas avec moi. Écoute, je ne suis pas au courant, mais je vais en parler au responsable pour qu'il corrige cette erreur. Et je te présente mes excuses et ça ne se reproduira plus jamais. C'est bon? Tu es satisfait? Non, pas du tout, Yamina. Tu ne vois pas que ce type se moque de nous? Tu ne vois pas qu'il dit ça pour se faire bien voir auprès de toi? Mais tu n'as pas idée du genre de type avec lequel tu es en train de te fâcher, Brangin. Hein? Je ne vais pas te laisser abuser d'elle, c'est bien compris? Tu crois que c'est en lui donnant une perle de boucle d'oreille que Yamina va craquer pour toi? Je crois pas. Je ne crois pas, non? Alors tu vas la respecter ou tu auras affaire à moi. Stop, Firmin! Qu'est-ce que tu as, hein? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Oui, mais... Laisse-moi parler. Comment tu oses venir me faire un scandale à mon travail? Devant mon chef, hein? Et en plus, qu'est-ce que tu dis? Que je suis ta copine? Je ne suis rien pour toi, Firmin. Et tu le sais. Non, non, mais... Bon alors? Nous ne sommes pas ensemble, Firmin, comprends-le. Toi, comprends-moi. Non. Allez. C'est bon, j'y vais. Allez. J'ai compris. Pardon de m'être mêlé de ce qui ne me regarde pas. On se voit plus tard. Tout va bien? Oui. Tu ne veux pas que je te ramène chez toi? Non, non, merci beaucoup. Je vous ai pas mal dérangé. Je suis un peu perdue. Je vais plutôt rentrer à pied. Merci pour tout. Excusez-moi, vous avez des réservations? Madame Kachanga n'a pas certainement besoin de réservations, mon très respectable ami. Madame Kachanga? Vous devez le dire avec beaucoup de respect. Vous êtes en face d'un des phénomènes les plus remarquables du 21e siècle. D'ailleurs, vous devez baisser la tête devant cette femme qui a reçu le don de la divination. Et ça, directement, des grands sages de Kiev. Pardon, mais si vous n'avez pas de réservation... Je ne veux plus vous entendre répéter ce mot-là, réservation, parce que sinon, j'en ferai état. Et je vous avertis d'une chose. J'ai perçu dans votre regard un zeste de discrimination. Et vous savez très bien que pour cette simple et minuscule raison,
Je peux demander à faire fermer cet établissement. Hein? On a de l'argent pour payer. Vas-y, montre-lui. Ah. Allô? Combien voulez-vous, cher monsieur? Hein? Vous n'en venez pas, hein? Très bien. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Oui, tout de suite. Vous apportez le menu. Excusez-moi. Oh. Maintenant, ça y est, tu as payé ce que tu me devais, mon petit gosse de riche.